Il était une fois, dans une forêt lointaine, une petite butte, en endroit sacré, où les renards et les lapins se souhaitent habituellement bonne nuit. Je crois que je me suis perdue. J'ai joué avec la poudre blanche. Je crois que je me suis perdue. Je sais plus où est mon terrier. Quelle est donc cette délicieuse odeur? Ça sent le petit lapin bien dodu. Je vais me régaler. D'où vient cette odeur? Je suis la piste. Oh, le beau lapin bien dodu. Chut, je vais m'approcher doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais le manger. Eh bien, monsieur renard, ne sais-tu pas qu'ici c'est un endroit sacré où les petits lapins et les renards se souhaitent bonne nuit? Oserais-tu me manger sans me dire bonne nuit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonne nuit? Le lapin essaye de m'embobiner. Bon, très bien, petit lapin. Alors, je te souhaite bonne nuit. Et maintenant, je vais te manger. N'importe quoi. Toi, t'es un renard qui connaît rien du tout. C'est n'importe quoi. Avant de me souhaiter bonne nuit, il faut que tu me racontes une histoire. Une histoire? Monsieur Lapin, il est en train de se moquer de moi. Une histoire. Il se croit malin, le petit lapin. Mais on verra bien qui est le plus malin. Très bien, petit lapin. Installe-toi bien confortablement. Je vais te raconter une belle histoire. Il était une fois une petite butte, c'était un endroit sacré où les renards et les lapins, généralement, se souhaitent bonne nuit. Et alors, un petit lapin bien dodu comme toi, se promenait gaiement sur cette butte. Tu es bien, petit lapin? Oui, très bien. Et alors, arrive un renard avec l'estomac dans les talons, comme moi. Et le renard avait faim. Et après, il a ouvert la bouche. Et va manger le petit lapin. Ouais, c'est pas mal. Mais alors, il y a un truc que tu sais pas, renard. C'est que pour me raconter une histoire, il faudrait que je sois chez moi, dans mon lit. Et là, on sait même pas où on est parce que je suis perdue. Il est sacrément retors, ce lapin. N'empêche, c'est une bonne idée d'aller chez lui. Parce qu'au lieu de manger un seul lapin, il y en aura trois pour le prix d'un. Le petit lapin, la maman lapin et le papa lapin. Festin de roi.
très bien, petit lapin. Je vais te reconduire chez toi. Viens, monte sur mon dos. Profite-en, ça ne durera pas. Sur ton dos? Oui, je vais t'emmener dans ton terrier. Voilà, accroche-toi bien. Alors, tu te rappelles vraiment pas où se trouve ton terrier? Je sais pas, c'est peut-être par là, ou c'est peut-être par là, ou c'est peut-être par là aussi, je sais plus. Tu sais pas grand-chose, petit lapin. Hein? J'ai un petit lapin. Ah, j'ai trouvé la piste, j'ai trouvé... Ah, c'est ici. Oh oui, oui, je reconnais, la neige est tombée dessus. Attends, attends, je vais rentrer, je vais ouvrir la porte. Alors, je m'impatiente. Voilà, voilà, il t'en faut enlever la neige. Hop là, hop là, C'est ici, c'est chez moi, oui. C'est chez moi, t'es trop fort, Laura. C'est bon, pousse-toi. Miam, 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 miam. Mais, où ils sont? Mais, il n'y a personne. Il n'y a pas de lapin. Où sont papa lapin? Maman lapin? Y'a personne. Ils sont sûrement partis chercher leur petit. Tant pis. J'ai trop faim. Je ne peux plus tenir. Petit lapin. Monsieur Renard. Je vais c'est bien joli, mais il faudrait que tu me chantes une berceuse dans mon lit et que tu me tiennes la patte aussi, bah, pour que je m'endorme. Jusqu'à ce que je m'endorme, tu dois me tenir la patte. Il est fou ce lapin. Un renard qui chante une chanson à un lapin qui lui tient la patte. Il se moque de moi. Il se croit malin. Guillaume. Mais ne sait-il pas que le renard est le plus rusé? Très bien, petit lapin. Tu es bien couché? Ah oui, il fait bien chaud sous la couette. Alors, je vais te chanter une berceuse. Tu me tiens la patte aussi, hein? Oui. Jusqu'à ce que je m'endorme. Oui, oui. Papa, je vais le manger après. Oh, civet. Moi, des fourneaux. Que j'aime t'attendre, chère. Bonjour papa. Bonjour petit lapin.
Comment ça s'est passé cette journée? Super! Je suis allée jouer dans la neige, j'ai rencontré un renard qui m'a raconté une histoire. Il m'a chanté une berceuse et puis bah, ils se sont endormis dans le terrier. Un renard dans le terrier? Oui. Mais ne sais-tu pas que les renards mangent les lapins, petit inconscient? Oui, mais celui-là, il est super sympa. Il chante une berceuse et il s'endort. Il est trop nul. Oh, renard, n'est jamais sympa. Attends un peu, que je vais lui régler ce compte, renard. Non. Surtout pas. Arrête. Mais arrête donc. Ne sais-tu pas qu'ici, c'est un endroit sacré où les lièvres et les renards se souhaitent bonne nuit? On ne va pas lui faire du mal, c'est interdit. Ah, bah, je ne savais pas. Et alors, que va-t-on faire? On ne peut pas le laisser dans le terrier. Il est trop dangereux s'il se réveille. Bah oui, c'est trop petit le terrier pour lui. Attends, j'ai une idée. Toi, tu prends une patte. Et moi, je prends une patte. Doucement, doucement. Il ne faut pas le réveiller. Je vais pas te faire Marcel. Okay. La la.
des chants de Noël. Est-ce que c'est le grand-père à la barbe blanche? Il apportera des bonbons et des cadeaux. Oh la classe. Est-ce que vous connaissez la chanson? La tuerie, la tuerie, le petit bonhomme, le petit bonhomme, l'as-tu vu, l'as-tu vu, le petit bonhomme au chapeau pointu. Tu connais pas ça? Le petit papa Noël, vous connaissez le petit papa Noël? Oh, je compte beaucoup sur les mamans quand même. Est-ce que tout le monde connaît Petit Papa Noël? Tu la connais?